Je vois un hélico se diriger vers le rendez-vous de Rob Byrne. Tu penses que c'est Rob Byrne? Pourtant, on dirait bien que c'est un hélicoptère de police. Qui d'autre pourrait bien s'offrir un hélico pareil dans cette ville? Pas grand monde. Et tu devrais y aller si tu veux les choper. Et te montre pas trop non plus, il y a les flics. Et bien salut tout le monde, c'est Xubi. Aujourd'hui on se retrouve pour le let's play en face commentary de Mirror's Edge. Et aujourd'hui, ça fait trois semaines, un mois, que j'y ai pas touché au jeu. Ça fait longtemps, et je m'en excuse. En ce moment, je faisais pas trop de vidéos, je voulais réfléchir un peu à ce que je pouvais faire de ma chaîne. Voilà, c'est trouvé. Donc maintenant, si vous avez regardé la vidéo sur la mise à jour de ma chaîne, les épisodes ne feront plus une heure, mais bien après une demi-heure. Donc, allez, voilà. Ça me fait toujours autant plaisir de jouer à ce jeu. Dans le dernier épisode, on a appris que Rob Byrne était un méchant catcheur brésilien qui essayait de nous tuer. Voilà. Oh merde, j'ai mis le ralenti. Tupe. Et quand le 2 sortira, c'est sûr et certain. Vous pouvez me faire confiance, je ferai le let's play. Et en facecam. Parce que ce jeu est tellement bien. Oui. Donc voilà. Petite coupe un peu kéké. Hein. Mais bon. Yep. Vous avez vu mes beaux ongles? Yay. Donc je fais pas un speedrun. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je fais pas de speedrun. Je ne fais pas le jeu au complet. Je fais juste le jeu. On se balade, on en profite, il fait beau. Et c'est tout. Je fais ça pour le fun. Je fais pas ça. Enfin genre, je suis un professionnel, vous voyez. Cette coupe de cheveux m'énerve, vous voyez. Oh. C'est pas bien de faire sa coupe de cheveux pendant une vidéo. Tant pis, on va les mettre en mode kéké. Voilà, c'est ça. Super. La Walgen Beast of Fly. Regardez-moi, c'est beau. Je sais plus où il faut aller. C'est en tout cas pas par là-haut. Ah, c'était en bas en fait, ok. C'est pas grave. Je suis sur le plan de l'endroit. Un vrai labyrinthe. Et c'est calme. Pas étonnant que Rob Byrne l'ait choisi. Si des gens s'y rendent en hélico, j'imagine qu'ils seront sur le toit. Trouve un moyen de monter. Pourquoi il y a des escaliers ici? Ah, il y a une porte fermée. On peut pas l'ouvrir. Donc il n'y a rien de particulier ici. Par ici. Première fois, j'avais mis du temps à trouver cet endroit. C'est vraiment, je rate pas de le dire sûrement, mais c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Cet univers futuriste, calme, blanc. Non, moi je continue, je suis un warrior. Non, je descends. Ouais, mais peut-être qu'il y avait des trucs au-dessus. Merde, maintenant je regrette. Ça va prendre le respect. Non, on peut pas l'ouvrir. Tu t'en sors? Ok, c'est bon. Je m'en sortirais mieux si tu fermerais ta gueule. J'en déduis que non. Mais tais-toi, vieux gars. On va sûrement faire un truc du genre. Non. Je vois pas à quoi ça servait. Étant donné qu'il faut aller là. Bah
Ah, il suffit de faire ça, je suis con. Voilà. Hop. Que je parlerai pas beaucoup. Enfin, je dis. Ouais, en fait, à chaque fois, je répète. J'arrête pas de dire les mêmes choses et j'arrête pas de dire que j'arrête pas de dire. Donc. Enfin, je parlerai vraiment pas beaucoup pendant ce let's play parce que c'est un univers magique et je vais pas raconter de bullshit dessus. J'adore ce jeu. Il y a pas moyen de... En fait, c'est un jeu où j'arrive à déconner en faisant du freerun et tout, mais enfin pendant les parcours et tout, mais en général, je préfère garder le silence pendant. C'est pas comme sur Dishonored où là je fous le bordel, je fais n'importe quoi. Dishonored, le prochain let's play que je vais faire, on va essayer de faire la très bonne fin, c'est-à-dire faut tuer personne. C'est impossible. Sans déconner. Ouais, faut jamais faire confiance à un flic. Donc, il est avec Rob Byrne. Ça va être épique. Je parie qu'il est trempé dans ce projet Icar. Je monte voir ce que je peux trouver sur Pope et Kate. Je regarde juste un peu combien de temps ça fait. Ça fait que 6 minutes. Ça va. Ça va. Parce que j'ai peur qu'en fait, chaque épisode, ça dure vraiment pas longtemps en fait. Enfin, je veux dire, je finisse peu au moins un niveau. Physics, physics. Le truc qui sert à rien mais qui rend le jeu super beau. Trop fier de ce machin, c'est un véritable bonheur de le faire. Ah putain, ils sont chiants. Allez, allez, te fous pas de moi. Genre, je ne peux. Bah voilà, putain, il en a mis du temps. Ah oui, oh merde. Il est vraiment moche. Hein. Je suis censé faire quoi là? Ouais, ça va aller. Oh, oh. Faut appuyer sur le bon bouton. Et oh, lâche-moi. Oh l'encule. Fallait appuyer sur X. Ok. Ow. Oh. Ouais, ça va aller. Ah, physics. Est-ce qu'on peut mettre en mode ralenti? Non. Ok, c'est Y, hein. Ça t'apprendra. Parlez maintenant. Et vite, parce que vos mains ont l'air toutes moites. Vous avez piégé Kate Connors, hein? La petite fliquette? Ouais. Pourquoi une flic, hein? La politique, c'est pas mon truc. Qui a tué Poupe? Vous? Non, j'ai engagé quelqu'un. Qui? Un professionnel. Je l'ai rencontré demain à 2h. À la période du centre commercial. Tu les reconnais pas? Et vos liens avec Miller? Si tu veux vraiment savoir tout ça, remonte-moi et je te le dirai. Fais gaffe, Faith. Pas d'embrouille ou vous plongez? Ok. Ok. Ah, oh la pute! Putain, merde, on a tiré! Rob Byrne est mort. Qu'est-ce que... Les flics vont bientôt s'amener, Faith. Tire-toi de là. Qu'est-ce par là? Je vais me dépêcher. Pas envie de me faire déglinguer par la police. La police. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Stop. Please. J'ai même pas eu le temps de me... Merde, j'ai mis pause. Enfin, j'ai mis le ralenti. Fuck that.
Oh, on a que ça, on a... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, je vais devoir sauter. Saute! Ouh! On n'a même pas besoin de prendre le machin. La tyrolienne. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir sauter tout simplement. Bon, on va laisser pour voir. Et l'attaque retournée dans le jeu, enfin où tu sautes sur le personnage, c'est masse stylé, mais j'arrive jamais à le faire. J'ai dû le faire une ou deux fois. Oh merde! Non! En plus après se fait écraser par l'ascenseur. Attendez, on va essayer de le faire cette attaque ninja. Bah ils sont trop loin. Allez, on réessaye. Ah ouais, suffisait de... Ah, t'es comme ça, toi. Bah, c'est cool. Ça va être stylé, ça. J'avais vu juste au sujet de Rob Byrne. Je me demande qui est le professionnel qui l'a engagé. J'augmente ton signal, essaie de te frayer un chemin. Excusez-moi, ça coupe tout le temps, vous le savez. Tiens, bon, on va passer par là. On peut passer par plusieurs endroits, vous voyez. Wow. Moi, il veut pas. Bon, en fait, il veut juste que je monte ici. Très bien, on va le faire. Oh là là. Ce qu'il nous demande de faire. Non! Sale réflexe. Sale réflexe, je veux dire. Putain de réflexe, quoi. Fais quand même attention. La station Raggin Park a l'air fermée. Ils doivent faire des travaux. Ne vous inquiétez pas, je sais comment faut faire. C'est par ici après. Physics, physics. Ah merde, les flics arrivent dans le métro. Continue. Physics. Ouh. C'est juste que ça, j'adore ce truc, ça. Physics, c'est magique. Ça rend ton jeu super beau. Ça le rend un peu next gen, vous voyez. Putain, non, j'avais... Oh, c'est bon. Donc là, faut faire ça. Et voilà. J'ai même pas d'objectif, c'est barré. Ouh. Non, c'est sûr, certain, c'est par là. Putain, ils sont trop cons parce que tu peux réouvrir les machins. Putain, ils sont classe ces métros. Ah, j'aime bien tuer des gens en flingue, c'est... Ok, mais il reste déjà plus de 15 minutes, ça va vite, on va se dépêcher. Ninja! Soy! Toy! On s'en flingue parce qu'il est full reload.
Ouh. Ouh. Ah. Ouh. Ouh. Ah. Quel dommage. Bon, c'est parti. On arrête les conneries. Yo. Chouah. Hein. Raté. C'est juste que je veux tuer tout le monde, moi, c'est comme ça. C'est une sale manie que j'ai dans les jeux vidéo. C'est pour ça que des ignorettes, ça va être dur. Mais regardez comme c'est beau. Regardez, je marche dessus, ça. Regardez, je vais le balancer sur le truc. Ah oui, on peut. Putain, putain, putain. Vous l'avez entendu aussi, hein, je me suis pris un putain de métro. Bien foutu. Je suis une vilaine petite fille. Je tue des policiers. Et je vole leur flingue. On prend tout neuf, y'a rien de mieux. Ah, c'est chiant que tu peux pas courir vite avec une mitraillette. Quoi. Même dans Call of Duty, ils sont plus rapides. C'est parti. Ah, c'est bon. Ouah. Oh, oh. Ah. Out, 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 hors service. Le concierge. Ok. Fitz Graffy. Et c'est énorme ce jeu. C'est. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah. Je sais pas pourquoi c'est écrit. Tout est écrit en jap. Bon. Fitz Graffy. C'est nourrir Scruffy. Eh ben je vais le nourrir de mon poing, Scruffy. Voilà. Et les pieds, parce que c'est plus rigolo. N'est-ce pas stylé? Là, je marche sur des tuyaux. Regardez l'eau. Cette ambiance. Il y a que dans ce jeu qu'on retrouve ça. Je trouve que... Ouais, super bien foutu, de toute façon. Les flics se rapprochent, dépêche-toi, Faith. Donc là, par contre, c'est... Wow. C'est ultra hardcore, baby. Attendez, c'est de la triche, y'a pas de... Ah, régénère, régénère-toi, putain. C'est bon, regagne ta vie, Face, regagne ta vie. C'est bon. Ok, c'est bon. Oups. Vas-y, passe. Connard de gens. Vous me faites chier, j'arrive pas à passer le résultat.
J'ai une de ces chances. J'étais sûrement... Non, vous me voyez aussi comme ça, c'est... Putain, vous avez vu ma tête? Enfin, j'imagine que... Non! Ah! J'étais sûrement genre en mode... On va attendre que le métro passe. Après tout, il nous reste combien de temps? 9 minutes. Ah. Oh. Voilà, vas-y, passe. Ouh, ça c'était un max combo. Ah, il faut passer par en dessous, c'est ça. Mais oui, j'avais tout de suite deviné, je suis tellement fort. C'est par là. Pourquoi peut-on faire simple quand on peut faire compliqué? Non, pourquoi peut-on faire compliqué? Non. c'est quoi déjà la réplique? Non, c'est bien ça. Pourquoi peut-on faire simple quand on peut faire compliqué? Sauf que moi c'est l'inverse, c'est pourquoi... Non, en fait, bon, on laisse tomber, c'est pas grave. C'est moi, je... Le métro. Et c'est le métro. Tu pouvais pas le dire un peu plus tôt? Le métro. Et c'est le métro. Oh yeah! Donc là, faites gaffe, c'est un moment épique, scène épique. Avec de l'action et tout, regardez, boosty fly, boosty fly, boosty fly. Attends, ça masse stylé. Wouah! Wouah! Ah! Ouf! Wouah! Oh merde! C'est un petit peu un jeu d'esquive. Aïe! Ouille! Techniquement, t'es mort avec cette vitesse-là. Qu'est-ce qui se passe? Fuck! Putain, vite! Une autre âme arrive derrière toi, tu ferais mieux de filer. Oh merde! Wow! Bien joué, fille. Bravo. Et si t'as besoin d'autre chose, Céleste est pas très loin. Appelle-la. Bah écoutez, c'est parfait. Je vais pas relancer la caméra. Pour le peu qui reste, c'est la fin de cette vidéo. On se revoit pour le prochain épisode du Let's Play de Mirror Z la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vert, d'aller me suivre sur Twitter, mettre un j'aime sur ma page Facebook. Tout ça, c'est dans la description. On se revoit. Peace out, motherfuckers. Quand j'étais gamine, je me rendais pas compte de ce qu'était cette ville. Mes parents, oui. Enfin, ils savaient qu'elle valait la peine d'être protégée. Pope connaissait mes parents. Les manifestations, les pressions. Ils nous emmenaient, Kate et moi. Mais je comprenais pas vraiment l'intérêt à l'époque. C'était un jeu. Merck m'a dit pour ta mère. Elle est morte dans les émeutes du centre-ville. Une manif qui a mal tourné. C'est rude. Après ça, on s'est quasiment perdu de vue. Mon père ne se l'est jamais pardonné et j'ai quitté la maison peu après. Sans lui avoir vraiment pardonné non plus.
Et t'as rencontré Merck ? Il m'a surprise, en train de le cambrioler. C'est vrai ? Il m'a jamais dit ça. Il m'a prise sous son aile. Je voulais sortir de la rue, alors j'ai dit oui. C'était l'occasion rêvée pour moi. Ouais, mais aujourd'hui, Faith, tu devrais arrêter de risquer ta vie comme ça. Ils ont piégé ma sœur, Céleste. Je peux pas rester sans rien faire. Je lui dois au moins ça. Je survivrai, comme toujours. La survie, c'est un peu surfait. Tu devrais prendre le temps de vivre. Dis, tu viens avec moi demain ? Ça m'aiderait bien. Non, Drake a du boulot pour moi. Tant pis pour le shopping. Faith, je dois y aller. Vas-y. Je sens qu'on va pas tarder à nous tirer dessus. Ça ira. Faith ? Fais gaffe.